bienvenue, chers téléspectateurs, pour cette nouvelle saison de Passé Présent. Et je souhaite également la bienvenue à Anne Sicard, qui va désormais m'accompagner au cours de notre émission d'histoire. En effet, Catherine Gourin, qui a été la pionnière de l'émission, nous a quittés pour des cieux plus ensoleillés. Et c'est donc Anne qui va désormais la remplacer. Anne Sicard, qui a été professeure d'histoire à Versailles, qui est une passionnée d'histoire, qui est une des responsables de l'Institut Iliade, je le signale au passage, et qui va donc remplacer Catherine au cours des semaines et des mois qui viennent. Bienvenue Anne. – Merci, bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, pour commencer cette émission, je reviendrai sur un événement dont on parle relativement peu, un anniversaire plus précisément, c'est celui de la révolution russe de 1917. Je me souviens très bien en 1967 de ce qui s'était passé avec le cinquantenaire. Il est clair que l'événement rencontrait à l'époque un écho beaucoup plus considérable. Hein. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'une étape a été franchie, que l'on a complètement changé d'époque et que cette révolution d'octobre qui a constitué le mythe mobilisateur que l'on sait, eh bien, elle est terriblement oubliée. Et je vais essayer de rappeler un petit peu dans quelles conditions se sont déroulés tous ces événements. Il y a 100 ans, c'est relativement peu, l'Empire russe, l'Empire des Romanov, basculait dans la révolution et cela allait donner naissance à une expérience politique originale, la Russie soviétique, avec toutes les conséquences que l'on sait. Cet empire russe, c'est un État géant au début du XXe siècle, un État-continent qui correspond à un sixième des terres émergées. C'est une population nombreuse, jeune, dynamique, 170 millions d'habitants en 1914. C'est un pays qui est en pleine mutation en ce début du XXe siècle. Hein. La Russie, avec un certain retard par rapport aux pays d'Europe occidentale, s'est engagée dans la révolution industrielle, sous l'impulsion du comte de Witt, elle a bénéficié des capitaux européens, notamment français, le fameux emprunt russe combien connu nos anciens, et elle est en train de devenir un géant dans l'espace européen au moment où va se déclencher la guerre de 1914. Alors cette Russie, on peut en dire quelques mots, parce que certains traits caractéristiques expliquent aussi ou détermine aussi ce que sera l'évolution de la révolution qui va éclater en février 1917. C'est un pays qui compte de nombreux problèmes, qui certes a une économie en pleine expansion, mais une société qui est soumise à de nombreuses contradictions, avec une classe dirigeante réduite, une masse paysanne très largement majoritaire, une classe ouvrière minoritaire, elle, mais qui connaît des conditions d'existence et de travail extrêmement difficiles et qui va être facile à mobiliser pour un certain nombre de révolutionnaires que nous allons retrouver bientôt. Cette Russie, elle apparaît également comme un anachronisme sur le plan politique, puisque on la désigne généralement sous le nom d'autocratie. Alors certes, la révolution de 1905 ou la crise révolutionnaire de 1905 a fait que le tsar a dû lâcher du lest. La Russie s'est transformée à petits pas en une monarchie parlementaire, mais dont les ambitions démocratiques sont pour le moins encore très, très modestes. Et face au pouvoir du tsar, les oppositions qui existent comptent en fait fort peu. Il y a des oppositions légales, des libéraux, ce que l'on appelle les constitutionnels démocrates, que l'on désignera sous le nom de cadets. Il y a des socialistes populaires, sorte de sociodémocrates modérés, qui seront représentés entre autres par Kerensky. Ils constituent, ces gens-là, une opposition légale. Et puis il y a aussi des oppositions révolutionnaires, les socialistes révolutionnaires, qui sont les héritiers du populisme et du nihilisme terroriste des décennies précédentes. Et puis il y a les marxistes. Alors les marxistes
touristes au début en Russie, ils apparaissent un peu bizarrement dans le paysage, parce que selon le schéma qu'avait imaginé Marx, ce n'est pas en Russie que la révolution risquait d'éclater de sitôt, hein, du fait de son retard économique, du fait de la faiblesse relative de la classe ouvrière. Mais alors que certains théoriciens tels que Plekhanov s'inscrivent dans cette vision, un autre intellectuel révolutionnaire, Vladimir Ilitch Ulyanov, mieux connu sous le nom de Lénine, va réviser complètement la vision marxiste de la révolution, imaginer un parti révolutionnaire constituant une avant-garde de militants professionnels capables d'encadrer les masses le moment venu pour réussir à s'emparer du pouvoir et établir la fameuse dictature du prolétariat chère à Marx. Cela dit, chez ces révolutionnaires, les tendances les plus radicales chez ces marxistes pèsent en fait fort peu. Ce sont les modérés mencheviques qui sont en fait les plus nombreux en Russie à la veille de la guerre, et la minorité bolchevique, contrairement à ce que signifie ce terme, elle est surtout à l'étranger, elle est surtout en exil, et si elle s'est retrouvée majoritaire, c'est dans un congrès ou dans des congrès, notamment à Bruxelles et à Londres, qui se sont tenus à l'étranger au début donc du XXe siècle. Voilà en gros le paysage économique, social, politique de la Russie en ce début du XXe siècle. Elle pouvait avoir devant elle des perspectives extrêmement prometteuses, étant donné le potentiel formidable du pays en question, hein, ses ressources naturelles, ses ressources humaines, sa dimension. Mais un événement va venir perturber tout cela, c'est bien sûr le déclenchement en 1914 d'une guerre dont tout le monde pensait qu'elle serait courte, mais qui, au bout du compte, va se révéler la catastrophe que l'on sait, le conflit interminable que l'on sait. Et cette guerre, elle va mettre la Russie évidemment en situation de fragilité par son côté interminable. Elle va révéler les faiblesses structurelles de l'Empire sur le plan économique, bien sûr, sur le plan des équipements, notamment ferroviaires, et les faiblesses politiques également, car à l'évidence, le tsar n'est pas à la hauteur pour conduire la guerre, et une bonne partie d'ailleurs de l'aristocratie va lui reprocher à un moment, je le rappelle, où dans l'intimité de la famille impériale, on a vu apparaître un certain Rasputin qui suscite les rejets et les haines que l'on sait, au point qu'il sera assassiné en décembre 1916. Voilà en gros le tableau général du pays au moment où va se déclencher la révolution de février 1917, puisque nous le savons, il y aura deux révolutions en Russie, une en février, une en octobre, les mois que je cite ici étant ceux du calendrier julien, hein, la révolution d'octobre dans notre calendrier grégorien, elle a eu lieu en fait en novembre, mais par convention on parle toujours de révolution d'octobre. Alors que se passe-t-il en février au départ? Eh bien les conditions créées par la guerre sont de plus en plus insupportables pour la population, la désorganisation des transports, les difficultés pour alimenter les grandes villes, notamment la capitale Saint-Pétersbourg, font qu'au mois de février 17, eh bien, on en arrive à rationner le pain dans la capitale. Dans le même temps, des mouvements de grève se développent, mouvements de grève auxquels certains patrons répondent par le lockout, par la fermeture de leurs usines. Du coup, le phénomène s'étend, va se développer pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que, à la fin du mois de février, le tsar décide de rétablir l'ordre. Le résultat, le 26 février, la troupe va tirer dans la foule. Les événements prennent alors un caractère tout à fait dramatique, d'autant qu'au cours des jours suivants, un certain nombre de régiments de la garde impériale vont se mutiner, fraterniser avec
avec les manifestants, avec les émeutiers, ce qui va conduire le tsar à dissoudre la Douma où un certain nombre de protestations avaient été entendues, et ce qui va conduire un certain nombre de députés d'opposition à former un comité provisoire de la Douma pour maintenir une autorité politique au moment où, quelques jours plus tard, le tsar, le 2 mars, va se résoudre à abdiquer, sur le conseil d'ailleurs des chefs militaires qui n'avaient aucune envie d'avoir à reconquérir la capitale alors qu'ils avaient déjà sur le dos une guerre contre les empires centraux qu'ils avaient beaucoup de mal, évidemment, à assumer. Alors le tsar abdique, mais en faveur de qui? En faveur de son fils, le tsarevitch Alexis. C'est un enfant. Donc on compte initialement sur le grand-duc Michel pour assurer la régence, mais celui-ci refuse, et au bout du compte, le comité provisoire de la Douma va se transformer en gouvernement provisoire, annonçant la réunion d'une assemblée constituante. La révolution de février, à ce moment-là, est acquise. Ce gouvernement provisoire s'installe, prend un certain nombre de mesures, la reconnaissance des libertés fondamentales, liberté de presse, d'association, l'amnistie pour les prisonniers politiques, ce qui était très important parce que ça veut dire que beaucoup d'exilés vont pouvoir rentrer, beaucoup de déportés en Sibérie vont pouvoir en faire autant, hein. Trotsky et Lénine vont rentrer ainsi en Russie, Staline va quitter le camp de Sibérie où il était détenu, et puis il y a un point important qui est décidé par ce gouvernement provisoire, c'est le fait de continuer la guerre, de rester dans le conflit aux côtés de l'entente, hein, en maintenant les buts de guerre qui étaient ceux de la Russie tsariste qui s'était retrouvée remise en cause. Alors voilà, la révolution de février est faite, il faut attendre maintenant la réunion d'une constituante, elle est fixée cette réunion très tard, fin octobre, c'est très important parce que ça veut dire que ça laisse une période de transition très longue qui, du fait de l'évolution de la situation, peut être favorable aux éléments révolutionnaires les plus radicaux. Et justement, au début du mois d'avril, on voit revenir à Saint-Pétersbourg Lénine. Lénine, qui est le leader de la tendance bolchevique au sein du parti social-démocrate à l'origine, hein, qui était réfugié, était exilé en Suisse au moment où la guerre a été déclarée. Il espère à ce moment-là que la guerre va mettre en lumière les contradictions majeures de l'Empire russe, c'est le plus beau cadeau que le tsar pouvait faire à la Révolution, dit-il. Oui, mais au cours des années qui suivent, eh bien, il ne se passe rien. Lénine et ses amis organisent des réunions internationales à Zimmerwald, à Kintal, en Suisse, dans l'espoir de mobiliser la classe ouvrière européenne contre la guerre, sans grand succès. Et puis arrive la surprise de février 1917, et là intervient cet épisode bien connu. Les Allemands voient tout l'intérêt pour eux de permettre le retour de Lénine et de ses amis révolutionnaires en Russie. C'est le fameux épisode du wagon plombé. Un wagon qui, jouissant du privilège d'extraterritorialité, va pouvoir de Suisse traverser l'Allemagne et dans un train, évidemment, avec un train, pour gagner le Danemark et la Suède. Et ensuite, au tout début du mois d'avril, eh bien, Lénine est de retour à Saint-Pétersbourg, devenu Petrograd depuis le début de la guerre. Et là, Lénine va imposer une vision, va imposer une stratégie décisive pour la suite. Alors que ceux qui ont réalisé l'insurrection de février laissent les choses aller, ont confié à un certain nombre de dirigeants la maîtrise des affaires, Lénine apporte une vision nouvelle qui va décider des événements qui vont suivre.
Il faut rappeler qu'à côté du gouvernement provisoire, on avait vu se constituer à Petrograd un soviet, c'est-à-dire un conseil de délégués ouvriers et paysans qui s'était chargé de prendre en main la direction des affaires locales. Et ce soviet, il a fait des petits, puisque on en a vu se constituer dans toute la Russie, dans les villes de Russie, dans les campagnes de Russie, dans les entreprises, dans les casernes. Et ce mouvement, eh bien, il dispose de ce fait spontanément d'une sorte de légitimité révolutionnaire qu'il place en face du gouvernement provisoire. Mais au début, les relations entre les deux entités sont bonnes. Il y a même un homme qui fait la liaison entre les deux, c'est Kerensky, membre du gouvernement provisoire et en même temps président du soviet de Petrograd. Or, cette collusion, en quelque sorte, entre les soviets et le gouvernement provisoire, Lénine la dénonce absolument. Il réclame, lui, que tout le pouvoir revienne aux soviets. Le gouvernement provisoire n'est pas légitime à ses yeux. Ça, c'est une première revendication. Il y en a une autre, ça fait partie des fameuses thèses d'avril qu'il présente à ses camarades, c'est la paix immédiate. Il a senti que le peuple russe en avait assez de cette guerre interminable qui impliquait d'immenses sacrifices. Et il va être le seul à réclamer la paix, puisque, je l'ai dit, le gouvernement provisoire, au début, a décidé de rester dans l'entente et de maintenir ce qu'étaient les buts de guerre de la Russie tsariste. C'est un élément de discours très important qui va permettre aux bolcheviks, à Lénine et à ses amis bolcheviks, qui représentent très peu de choses au début, ils sont quelques milliers en avril 1917, eh bien ça va leur permettre d'accroître leur influence, d'accroître leur audience. Lénine, de plus, est un excellent orateur, il va se dépenser sans compter à Petrograd, dans la capitale, pour créer un nouveau rapport de force, ce qui est acquis pratiquement quand on arrive à la fin du printemps de 1917. On a vu ainsi, dès le 20 avril, une grande manifestation contre le ministre des Affaires étrangères, Milioukov, qui était parmi les champions qui réclamaient la poursuite de la guerre, eh bien, il a été obligé de démissionner. Il a fallu remanier le gouvernement provisoire du prince Lvov à la suite de cette manifestation. Donc une montée en puissance régulière des bolcheviks, qui va se confirmer quand se tient à Petrograd au mois de juin un congrès pan-russe des soviets avec des représentants venus de tout le pays qui ont l'occasion à ce moment-là de voir qui sont les bolcheviks et quelles sont leurs revendications. Donc les choses se présentent apparemment de manière prometteuse pour la minorité bolchevique, mais au mois de juillet, eh bien certains veulent aller plus vite que la musique, si l'on peut dire. Ce sont les marins de Kronstadt, ce sont des ouvriers de Petrograd qui veulent se débarrasser dans la rue du gouvernement provisoire. Celui-ci réussit à l'emporter, à écraser cette dissidence. Résultat, ça retombe aussi sur les bolcheviques qui n'avaient rien demandé à personne. Lénine est obligé de plonger dans la clandestinité, les autres chefs bolcheviks aussi, la Pravda, leur journal, est interdit, mais ils vont avoir l'occasion de rebondir de manière inattendue. En effet, Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, a réuni à Moscou une conférence d'État dont il attend une certaine légitimité pour pouvoir reprendre les choses en main. Et cette affaire-là va déboucher sur un échec, dans la mesure où un chef militaire, Korniev, va essayer de prendre le pouvoir, va tenter un putsch à la fin du mois d'août. Ce sera un échec du fait de la mobilisation des bolcheviks, de Lénine, de Trotsky et de leurs camarades. Et c'est dans ces conditions-là qu'ils vont pouvoir préparer, à partir du début octobre, la révolution d'octobre, constituer un comité militaire révolutionnaire, prétextant de l'avance des Allemands en direction de la capitale. Et dans la nuit du 24 au 25 octobre, eh bien, c'est l'insurrection, c'est le coup d'État, en fait, perpétré par la minorité bolchevique qui va s'emparer du pouvoir à un moment où se tient à Petrograd le deuxième congrès pan-russe des soviets, qui va légitimer en quelque sorte l'action entreprise, d'autant que Lénine a annoncé le décret sur la paix et également le décret sur la terre qui laisse entendre un projet de partage des terres qui n'est pas du tout dans son esprit, mais qui va gagner en tout cas les campagnes à la cause de la révolution.
révolution. Dernier acte, quand l'Assemblée constituante est élue, eh bien les bolcheviks n'auront qu'à la dissoudre pour imposer le nouveau pouvoir, celui du Conseil des commissaires du peuple, qui va être à l'origine de la Russie soviétique. Connaissent l'existence de Jeanne de Belleville, la première femme corsaire. Pourtant, son histoire mérite d'être contée. Les événements dont je vais vous parler se déroulent au XIVe siècle, dans une période mouvementée de l'histoire de France, car c'est celle de la guerre de Cent Ans. Au début de cette guerre, un autre conflit va éclater en 1341, provoqué par la mort du duc de Bretagne, la mort sans descendance du duc de Bretagne, Jean III le Bon. Deux prétendants se disputent alors le duché. Il s'agit de Jeanne de Penthièvre, soutenue par son mari Charles de Blois, et la nièce de Jean III le Bon, et de Jean IV de Montfort, le demi-frère du défunt duc. Au début de la guerre de succession de Bretagne, Jeanne de Belleville est déjà mariée depuis 13 ans avec un autre grand seigneur breton, Olivier de Clisson. Ils ont déjà 5 enfants, dont la petite Jeanne, qu'ils ont eue hors mariage avant de pouvoir enfin régulariser leur situation. Durant le conflit, une partie de la noblesse bretonne va soutenir Jean IV de Montfort dans ses prétentions, tandis qu'une autre va rejoindre le camp de Charles de Blois et de son épouse Jeanne de Penthièvre. C'est le cas d'Olivier de Clisson, qui prête allégeance à Charles de Blois. Malheureusement, Olivier de Clisson est fait prisonnier par les Anglais lors du 4e siège de Vannes en 1342. Il est emmené en Angleterre et, peu de temps après, échangé contre une rançon et contre la libération d'un proche d'Édouard III, le comte de Stafford. À son retour de captivité, une rumeur commence à courir. Les gens disent, puisque Olivier de Clisson a été libéré peu de temps après avoir été fait prisonnier, c'est qu'il a dû passer un accord secret avec Édouard III. On parle de trahison, on parle de collusion avec l'Anglais. Olivier semble ignorer ces rumeurs. Et quand Philippe VI, le roi de France, l'invite à venir participer à un tournoi à Paris, il s'y rend sans aucune méfiance avec 14 autres seigneurs bretons. Peu après son arrivée, le 1er août 1343, Olivier et ses compagnons sont au milieu de la fête, arrêtés et jetés en prison sans ménagement. Dès le lendemain, sans aucune forme de procès, il est traîné jusqu'à la place des Halles et il est décapité avec les 14 autres nobles bretons. La volonté de Philippe VI est sans aucun doute de marquer les esprits et de faire un exemple, car il ordonne une mise en scène terrible et humiliante pour un gentilhomme. Le corps d'Olivier de Clisson est emmené et exposé sur le gibet de Montfaucon comme celui d'un vulgaire criminel. Et sa tête est envoyée à Nantes pour être suspendue aux remparts de la ville. Tous les chroniqueurs et toute la noblesse bretonne, ou non, vont être outrés et scandalisés par le traitement réservé à la dépouille d'Olivier. Imaginez alors le choc et la douleur que pour la pauvre Jeanne de Clisson. Elle apprend la nouvelle par un proche d'Olivier, mais après l'abattement et les pleurs, va naître en elle une terrible volonté de vengeance. Elle prend ses deux fils de 4 et 7 ans, Guillaume et Olivier, et leur fait jurer, devant la tête ensanglantée de leur père, de le venger. Peu après, elle rassemble une troupe de fidèles et commence à porter la guerre chez tous les partisans de Charles de Blois et du roi de France. Elle tue, elle fait tuer, elle incendie les places fortes, elle est absolument impitoyable. La belle dame, la belle femme du seigneur Olivier de Clisson s'est transformée en furie. Mais
La guerre sur terre va devenir de plus en plus difficile. Évidemment, le roi de France va réagir. Et il commence à prendre des mesures de rétorsion contre les alliés de Jeanne de Clisson. Il la déclare hors la loi, ses biens sont confisqués et l'étau se resserre. Jeanne décide donc, elle qui a eu l'habitude de naviguer quand elle était plus jeune, elle décide alors de continuer la guerre sur la mer. En effet, Jeanne connaît bien les côtes et sait naviguer depuis qu'elle est très jeune. Elle va vendre une partie de ses biens et armer un premier navire avec lequel elle commence à s'attaquer aux vaisseaux français. Peu après, elle se rend en Angleterre et demande son aide au roi d'Angleterre, Édouard III, qui est évidemment bien content de l'aider à armer deux vaisseaux supplémentaires pour lutter contre son ennemi, le roi de France. Elle reprend la mer à la tête d'une escadre de trois navires et avec son vaisseau amiral qu'elle nomme Vengeance. C'est tout un programme. Pendant deux ans, elle va désorganiser le commerce maritime des Français en s'attaquant systématiquement à tous les navires qui battent pavillon français et même à de petits vaisseaux de guerre. De nombreux commerçants vont y perdre la vie. Philippe VI, quand il apprend les nouvelles, est furieux et excédé des agissements de la Lionne de Clisson, comme elle est bientôt surnommée. Il va lancer des navires à sa poursuite. Il va essayer de faire intervenir le pape pour qu'il parle à Édouard III, pour que le roi d'Angleterre cesse d'aider la Lionne de Clisson. Mais ce sont finalement les éléments qui vont avoir raison de la guerre de Jeanne. Elle va tomber au milieu d'une terrible tempête, une tempête épouvantable, au moment où elle se fait encercler par les navires du roi de France. Elle va être obligée de prendre une chaloupe avec ses deux fils, parce qu'il est hors de question pour elle que les deux fils d'Olivier de Clisson tombent entre les mains de ses ennemis. Et elle va tenter de rejoindre les côtes anglaises. Elle n'y parvient pas. Elle part à la dérive, elle n'a pas de vivres, elle n'a pas d'eau, et à bord de la chaloupe, il fait un froid terrible. Si terrible que l'affaire tourne mal, et le plus jeune de ses fils, Guillaume, va mourir dans ses bras. Jeanne parvient à accoster à Morlaix, où les partisans de Jean IV de Montfort tiennent encore la ville, et elle va se réfugier chez son amie Jeanne de Montfort, une autre grande Jeanne de la guerre de succession de Bretagne. Elle va être invitée par celle-ci dans son château d'Ennebon, où elle va pouvoir reprendre des forces, mais Jeanne n'a plus le cœur à guerroyer. C'est sans doute la mort de Guillaume qui lui fait renoncer à ses projets de vengeance. Elle va peu à peu reprendre une vie normale jusqu'à se remarier plusieurs années après avec un lieutenant d'Édouard III, le sieur Gauthier de Bentley. Elle ne récupérera jamais ses biens. Et le roi de France ne lui pardonnera jamais ses exactions. Elle non plus. Son fils, Olivier V de Clisson, pour la petite histoire, devint par la suite grand connétable de France auprès de son compagnon Bertrand du Guesclin. Il sera le grand connétable de Charles V et de Charles VI. Et s'il était surnommé Clisson le boucher, il n'en rendra pas moins l'honneur à son nom par ses actions sur le champ de bataille et à celui de son père. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à Passé Présent Olivier Dard, qui a déjà été mon invité dans l'émission, spécialiste d'histoire contemporaine, avec des travaux à la charnière de l'histoire, de la science politique, de la sociologie, pour un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle « Être nationaliste à l'ère des masses en Europe » aux éditions Peter Lang. Hein.
Alors c'est un ouvrage, Olivier Dard, que vous avez dirigé, c'est un ouvrage collectif, hein, que vous avez dirigé avec Didier Mussitlac et Eric Ansou, et c'est un ouvrage qui apparaît aujourd'hui particulièrement utile en une époque où certains s'inquiètent d'un retour du nationalisme ou des nationalismes. Toute réflexion sur ce phénomène politique, idéologique de grande ampleur qui a caractérisé l'Europe à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e, ben, toute réflexion de ce type est bienvenue aujourd'hui dans le débat qui est actuellement en cours. Et d'abord, je crois qu'il est intéressant de rappeler comment s'est cristallisée, comment s'est forgée l'idée nationale. Quelles ont été les étapes d'un processus de maturation qui aboutit avec ce qu'on va appeler le nationalisme dans le dernier tiers du 19e siècle. Alors, c'est un processus complexe dans la mesure où il se développe, je dirais, différemment selon les États. Et déjà, en disant selon les États, j'attire l'attention sur justement la formation des unités nationales et le lien évidemment qui existe entre ce qu'on a appelé les nationalités et le nationalisme, en particulier pour les exemples italiens et allemands qui ont été évidemment formés à la fin du 19e siècle. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que effectivement ce nationalisme en Europe, au tournant du 20e siècle, est un phénomène, je dirais, général. Général, pourquoi ? Parce qu'il s'exprime partout, alors sous des formes évidemment différentes, mais dans le cas français, par exemple, il se développe principalement dans la définition d'un combat contre une république parlementaire. Une république parlementaire dénoncée en particulier au tournant de l'affaire Boulanger vers 1887-1889, sachant qu'un certain nombre de pères du nationalisme français, notamment Paul Déroulède, étaient à l'origine républicains, mais vont considérer que, pour toute une série de raisons, la république parlementaire n'est pas en mesure de défendre ce qui pour les nationalistes constitue un véritable primat, c'est-à-dire l'intérêt national, incarné à l'époque évidemment dans la reconquête des provinces perdues. – Alors on pourrait ajouter d'ailleurs Henri Rochefort également, qui est un homme qui vient tout à fait de la gauche, hein, et qui s'est retrouvé boulangiste. On a là un phénomène de réunion en quelque sorte des gauches et des droites, qui est tout à fait nouveau, tout à fait original, et on sait comment ce thème-là a été abordé par Zeev Sternel dans son ouvrage fameux sur la droite révolutionnaire. Il voit dans le boulangisme l'une des sources de ce qu'il essaie de définir comme un proto-fascisme français. – Absolument, un pré-fascisme. – Et est-ce que cette approche de Zeev Sternel, qui a eu son heure de gloire, vous paraît acceptable et satisfaisante ?– Alors, il faut comprendre, sans rentrer dans l'examen pointu de l'historiographie, qu'elle intervient, cette approche de Zeev Sternel à la fin des années 1970 contre contre une analyse classique au fond qui était celle de René Raymond qui distinguait trois droites, la droite orléaniste, bonapartiste et légitimiste. Et il est vrai, et là Sternel a raison d'insister sur ce point, lui qui avait travaillé sur Barrès, que le nationalisme qui se développe au tournant de l'affaire boulangiste est très différent. On ne peut pas se contenter de le réduire au bonapartisme. Pour la raison en particulier que, comme vous l'avez dit, il va mêler droite et gauche, et mêler aussi, ce qui est très important, question nationale et question sociale. Cela étant, je crois qu'en même temps, le fascisme, c'est une autre histoire, c'est le tournant de la Première Guerre mondiale joue un rôle fondamental, mais la matrice nationale et sociale est extrêmement importante, puisqu'on parle à l'époque de socialisme national. Et c'est dans le cadre de ce socialisme national que des grandes figures du nationalisme français émergent,
Maurice Barrès, bien entendu. – Qui se présente comme candidat sous cette étiquette à Nancy. – Donc qui est élu effectivement dans le cadre du boulangisme, et Barrès va même impulser vers 1895 un journal très important où vont cohabiter des socialistes et des nationalistes parmi eux Maurras. Ce journal s'appelle La Cocarde, et effectivement Zef Sternel en fait grand cas dans la mesure où il considère qu'il y a à travers La Cocarde un préfascisme. Mais ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'à travers ce débat sur le national et le social, le nationalisme s'oppose la question des masses. La question des masses à l'heure où le libéralisme et la démocratie en particulier se développent et où il s'agit d'intégrer les masses à ces nouvelles sociétés politiques qui émergent dans toute l'Europe. Face à la question de l'intégration des masses, chaque famille politique, j'ai envie de dire, a ses propres solutions. Les socialistes, bien sûr, les catholiques sociaux également, les conservateurs, ne l'oublions pas, avec Bismarck en Allemagne. Et toutes les lois sociales de Bismarck visent justement à intégrer les masses au Reich. Et dans le cas français, le nationalisme se trouve exposé à cette situation. Toute la question, cependant, pour lui, va être de le résoudre. De la résoudre, parce que dans le cas français au moins, le nationalisme français n'a jamais pu, n'a jamais su, pour toute une série de raisons, se transformer en parti nationaliste, se transformer véritablement en mouvement de masse, ce qui a pu se faire ailleurs, et ce que l'on va voir évidemment après la guerre, à travers l'émergence du fascisme. – C'est ça, mais en fait c'est le fascisme, dans une large mesure, qui va réussir à intégrer les masses. – Oui, bien sûr. – C'est avec cette expérience-là que le nationalisme va réaliser ce projet-là. Oui, parce que il va le réaliser effectivement avec le fascisme italien. Alors un fascisme italien dont on sait qu'il procède effectivement de cette double matrice, un nationalisme et syndicalisme révolutionnaire, avec toute une série de nuances avec socialistes. Le personnage de Mussolini est évidemment emblématique de cette histoire. Mais justement, dans le cas français et dans le cas du nationalisme français, il y a un élément qui pèse dans cette histoire, qui est d'abord l'élitisme du nationalisme français, et en particulier celui de l'Action française. L'Action française s'adresse principalement à des élites, en considérant que c'est à travers les élites et donc un processus d'en haut qu'on va pouvoir transformer le système, avec effectivement la mise en place du politique d'abord, alors que Mussolini, lui, en Italie, et les nationalistes qui vont rejoindre Mussolini après avoir été, le livre le montre bien, attirés par l'Action française, hein, les nationalistes italiens, les Federzoni, Alfredo Rocco, toute la revue L'Idea Nazionale a été concernée par cette histoire de l'Action française de l'avant 14, mais ils vont justement considérer, avec la guerre, après la guerre, que ce nationalisme d'Action française est vieilli parce qu'il ne prend pas en compte justement cette intégration des masses, et vous le disiez très bien, c'est le fascisme italien qui lui va la porter et l'incarner à travers le Parti national fasciste. – Il y a un personnage que vous évoquez et dont il serait bon de situer la place dans tout ce processus, c'est des Roulèdes. Oui. Des Roulèdes dont on a une image un peu caricaturale. Le clairon, le champion d'un nationalisme intégral, voilà. Celui qui exalte le son du canon. Mais qui vaut plus que ça quand même, oui, plus alors, intéressant que cela. – Notre collègue Bertrand Joly, qui est d'ailleurs le biographe de Roulèdes, qui a participé au volume, a proposé un texte effectivement sur Roulèdes et l'Allemagne, où il montre très bien que la figure de Roulèdes dépasse très largement la caricature que l'on peut en faire. Mais l'itinéraire de Roulèdes, il est en même temps très intéressant, parce que la Ligue des Patriotes qu'il met en place, donc avant le boulangisme, c'est au départ un gambettiste, Roulèdes, mais cette Ligue des Patriotes, pour le coup, a une imprégnation, je dirais, bonapartiste, à travers effectivement une tendance plébiscitaire qui va en même temps échouer devant le processus électoral, échoué à l'occasion du boulangisme, échoué ensuite au moment de l'affaire Dreyfus et de l'équipée roulédienne lorsque Roulèdes va tenter son coup de force. – Le coup de force. – Et je parlais tout à l'heure de l'élitisme de l'Action française et justement du nationalisme intégral maurassien. Il faut bien comprendre que l'Action française qui se met en place effectivement au tournant du siècle, principalement à partir de 1905, va tenir compte, et Maurras et les siens tiennent compte des échecs antérieurs.
Et ils tiennent compte en particulier du fait, et c'est un grand reproche qu'ils font à Déroulède, et ce qui explique aussi l'image de Déroulède dont vous parliez, un reproche qu'ils font à Déroulède, c'est que, au fond, Déroulède, la Ligue des Patriotes, aurait négligé la question doctrinale. De même que la Ligue de la Patrie française de Jules Lemaître aurait négligé la question doctrinale. Et, à l'inverse, l'Action française va privilégier la formation doctrinale, va privilégier le recours à la monarchie, ce qui évidemment élimine toute perspective plébiscitaire, mais en même temps, si avant 14, à travers notamment le cercle Proudhon, il y a une tentative de certains, notamment de Georges Valois, de coller aux masses et d'attirer la classe ouvrière derrière la monarchie, soyons clairs, les cahiers du cercle Proudhon, 600 abonnés, voilà, ouais. Voilà, on est très très loin des masses, même si ce n'est pas négligeable. – Ça reste un phénomène marginal. – Ça reste un phénomène marginal. – Et l'Action française, d'une certaine manière, avec ce choix monarchiste, se coupe des masses. – Alors, c'est un débat… – quasi automatique. – Absolument, c'est un vrai débat. – Parce que le fait que la France avait acquis à ce moment-là, en profondeur, dans le pignon, une culture que l'on va désigner comme républicaine, même si c'est oui, quelque chose d'assez général. – Mais justement, Maurras et l'Action française, dont un slogan célèbre est « Notre force est d'avoir raison », va vouloir absolument lutter contre… – Ça, je crois que l'expérience a montré que ce n'était pas une force sur laquelle il fallait forcément trop compter. – Voilà, mais cela étant, ils vont effectivement revenir et revenir constamment sur la nécessité de démontrer à une opinion publique que le régime républicain est mauvais, sauf qu'effectivement, ils se heurtent à toute une série de contraintes, notamment… du côté des droites françaises, des milieux conservateurs et des catholiques. Oui, parce que cette action française, elle passe à côté du fait, d'une certaine manière, que la République telle qu'elle existe à l'époque, elle a quand même hérité, alors pas le nationalisme sans doute, mais d'un patriotisme extrêmement vigoureux. Tous les Français de l'époque sont acquis à l'idée de la revanche, la majeure partie d'entre eux. Il y a un patriotisme général à cette époque, organisé notamment autour d'une armée qui fait l'unanimité, d'où la dimension que peut prendre aussi l'affaire Dreyfus. Et ça n'a rien à voir avec… à voir avec la monarchie, tout ça. – Certes, mais l'Action française a quand même contribué à réarmer, comme il le disait, réarmer le pays avant 14, c'est-à-dire que… – La morale. – Voilà, oui, non, mais je crois que c'est un élément important, parce que vous avez aussi, à la même époque, toute une extrême gauche antimilitariste, etc. Mais il n'en demeure pas moins, et je suis entièrement d'accord, que toute une partie du personnel républicain, symbolisée notamment par Raymond Poincaré, bien entendu, le Lorrain Poincaré est patriote et va être effectivement très attaché à la question de la défense nationale, c'est tous les débats de la loi de 3 ans, etc. Et on le voit bien d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, où l'Action française, en ralliant l'Union sacrée, partage un certain nombre de convictions malgré tout avec Poincaré sur la question de la guerre. Et n'oublions pas que par rapport à Poincaré, il y a un personnage qui joue un rôle très important, c'est bien sûr Maurice Barrès, qui connaît fort bien Poincaré. Oui. Lorraine oblige, mais pas seulement. – Barrès, qui est une des figures majeures de ce nationalisme français à l'époque, sans avoir le côté doctrinaire exclusif qui caractérise l'Action française. – Tout à fait, et sans non plus vouloir mettre sur pied une structure politique… Barrès, c'est quand même l'auteur du Culte du Moi, c'est un individualiste forcené. Et lorsque Barrès hérite en 14 à la mort de Déroulède de la Ligue des Patriotes, le mouvement est moribond. Et on ne peut pas dire que la présidence de Barrès soit de nature à relancer cette Ligue des Patriotes, soyons clairs. En revanche, la plume de Barrès, l'audience de Barrès jusqu'à sa mort en 1923 joue un rôle très important. – Considérable, oui. Et on le voit bien à travers… l'actualité que va prendre toute son image, tout le mythe qu'il a mis en avant de la terre et des morts, l'évocation d'une continuité dans la durée de la patrie, tout cela, ça va faire partie de l'arsenal sentimental, idéologique qui va permettre d'affronter la guerre de 14. – Tout à fait, et j'ajouterais, parce que c'était effectivement aussi un des thèmes du livre, que Barrès, comme Maurras d'ailleurs,
ont beaucoup d'influence à l'étranger. Mmh. Barrès est un auteur extrêmement lu, bien au-delà des frontières françaises. Et ce qu'il est intéressant de voir, évidemment on ne peut pas revenir sur l'ensemble des pays considérés ici, mais c'est que ces nationalistes, entre eux, pour une partie d'entre eux, notamment dans toute l'ère latine, dialoguent beaucoup avant 1914, se suivent, se lisent, échangent. Et effectivement, il y a un moment nationaliste avant 14 et pendant la guerre, qui n'est pas seulement un moment français, même si fort légitimement c'est la situation française. Alors en effet, votre ouvrage se penche d'ailleurs sur certains pays, parfois inattendus ou qu'on connaît mal dans cette perspective-là. Je pense par exemple à l'Espagne. Vous avez évoqué plusieurs figures espagnoles contemporaines de la période, et où vous êtes efforcé, ou tout du moins les auteurs qui ont participé à l'ouvrage, vous êtes efforcé de cerner ce que pouvait avoir d'original le nationalisme espagnol à l'époque, avant que n'interviennent les drames de la guerre civile des années 30, avec des gens comme Gabriel de Maeztu, avec des gens comme Regnault d'Ors, par exemple. Ça, c'est pas du tout connu du public français, ça. Alors effectivement, et donc on s'est effectivement penché sur Maeztu, Bondors est évidemment présent, mais il y a Azorín également, voilà, et on a effectivement toute une série. Oui, parce qu'on a un nationalisme, d'ailleurs nationalisme espagnol, le terme lui-même pose problème, parce que il y a une dimension, d'ailleurs qui relie le nationalisme ibérique espagnol au nationalisme français version maurassienne, c'est tout l'accent mis sur la décentralisation. La pénétration de Maurras se fait par la Catalogne, par Eugenio d'Ors. Et effectivement, il y a toute une frange fédéraliste du nationalisme espagnol. Tout le carlisme qui avait précédé constituait un terrain favorable. Un terrain favorable. Mais il y a aussi une logique plus unitaire et qui effectivement va nourrir par la suite, et tout particulièrement à l'occasion de la crise des années 30, mais là c'est une autre histoire, après l'effondrement de la République, va nourrir ce qui va devenir la phalange, c'est-à-dire au fond une expression du fascisme espagnol. Mais dans le cas espagnol, il y a un dernier élément qui est intéressant, c'est de voir que France et Allemagne, nationalistes français, nationalistes allemands, se livrent une guerre d'influence en Espagne. Sachant que pour beaucoup de nationalistes espagnols, au fond, la France, c'est d'abord la patrie de la Révolution, alors que l'Allemagne, évidemment… – Une ennemie héréditaire, surtout depuis certaines expéditions napoléoniennes. – En plus, et il faut effectivement retourner la perspective, et un certain nombre de nationalistes espagnols, je pense en particulier à Azorín, sont venus en France, ont rencontré Maurras, etc. Donc là aussi, il y a tout un travail de pénétration. – Ramon de Valle-Inclán également, l'écrivain carliste par exemple. Excellent, qui était plutôt germanophile aussi pendant la guerre. Et alors, si nous continuons un petit peu ce tour d'Europe, qu'en est-il du nationalisme italien avant 1914? Là, nous n'avons pas encore les conditions qui vont permettre l'émergence du fascisme mussolinien. Mais il y a un nationalisme de Corradini, de gens comme ça, qui est important, qui est vivant et qui est porteur de tout un programme pour l'Italie. – Absolument, et qui d'ailleurs au départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, est lié au nationalisme français. C'est-à-dire que l'idée, et notamment l'Action française, l'idée nationale lit, commente, analyse Maurras, et les gens d'Action française suivent de près ce qui se passe en Italie. Sauf que, avant la guerre, il y a un congrès très important en Italie, en 1910, qui est le congrès de l'Association nationaliste italienne, qui pose, pour le coup, pour la première fois, l'idée que le nationalisme italien se doit être, au fond, un nationalisme sans doute offensif, mais aussi celui des peuples jeunes. Et là, on retrouve quelque chose de très comparable avec ce que l'on va observer en Allemagne avec Möller van den Broek et ensuite la révolution conservatrice, c'est-à-dire, au fond, un nationalisme de peuples jeunes contre des peuples vieux, et évidemment, la France fait partie des peuples vieux. – Voilà. L'Angleterre. – Voilà, et quand je disais tout à l'heure qu'il y a une forme de rupture, ou du moins d'éloignement de l'Action française, elle commence déjà avant 14. Nous avons notre propre originalité, disent Rocco, Federzoni, etc. C'est un peu l'origine du concept de nation prolétaire, qui sera avancé ultérieurement par Mussolini. Hein.
Mais alors c'est dire la richesse de votre ouvrage. Vous abordez ainsi plusieurs pays. J'ai remarqué notamment un chapitre consacré à la Suisse. Alors là, évidemment, nous sommes en une terra incognita à peu près complète pour ce qui est du nationalisme suisse à cette époque. Mais je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Alors là aussi, à condition effectivement de le replacer dans ce que peut être le nationalisme à l'échelle de la Confédération. Et là, ce qu'il est intéressant de noter, c'est l'influence de l'Action française, ou plutôt d'un certain nombre de rameaux de l'Action française, notamment toute la lecture que peuvent faire un certain nombre de jeunes écrivains suisses, un Robert de Traze et un certain nombre d'autres, de tout ce qui renvoie au fond à la question de la décentralisation, du fédéralisme, etc. Il y a quelque chose de très comparable, si je puis dire, mutatis mutandis, entre la situation catalane et la situation helvétique. Et Maurras, l'Action française a toujours eu en Suisse un impact important eu égard à cette thématique-là. Évidemment, l'antiprotestantisme ou le monarchisme de l'Action française sont très peu prisés. Ça n'a aucun sens, évidemment, vu de la Confédération. Et alors, qu'est-ce que pensaient Maurras et l'Action française des nationalismes ou régionalismes basques et catalans qui mettaient en cause, à l'époque, l'unité espagnole ? Alors, les Basques, soyons clairs, pèsent moins à l'époque que les Catalans. Alors, est-ce que les Catalans mettent tant que ça en cause le principe de l'unité espagnole ? Oui et non. Maurras est très lié aux nationalistes catalans. Il est très lié. C'est-à-dire qu'au fond, la première pénétration de Maurras… – C'est le Provençal également qui parle. – C'est le fait libre. La première pénétration se fait par une revue qui s'appelle Veu de Catalunya, qui est très acquise, hôtesse du fait libre, etc. Mais… ça ne pose dans l'esprit de Maurras pas véritablement de problème, car au fond, la monarchie espagnole qu'il souhaite, d'ailleurs qui existe, dans son esprit, doit être une monarchie décentralisée, à l'instar de celle qu'il propose pour la France. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que autant la dimension régionaliste de Maurras est très prisée en Espagne, à l'époque son monarchisme pas du tout, puisque la monarchie existe. En revanche, après la proclamation de la République en 1931, se met en place en Espagne une revue qui s'appelle L'Action Española. Comme son nom l'indique, elle n'est pas sans lien avec l'Action française. Et là, on va cette fois-ci investir du côté des Espagnols les fondements monarchistes de la pensée maurrassienne. Alors, en quelques mots, ce nationalisme qui est l'un des phénomènes d'opinion ou des phénomènes idéologiques majeurs de la période concernée, quelle est la part qui lui revient dans la course à la guerre et à la catastrophe que l'on sait en 1914? Parce qu'évidemment, on l'a mis en cause, bien entendu, ensuite. On a vu dans l'essor des nationalismes le favorable à cet affrontement suicidaire. Comment est-ce que vous évaluez cette réalité-là ? Alors, tous les nationalistes avant 14 ne sont pas des va-t-en-guerre, y compris à l'Action française, et particulièrement. Deuxième élément important, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce nationalisme, c'est principalement un phénomène élitaire. C'est-à-dire qu'on a des intellectuels, des revues, ce ne sont pas forcément partout des mouvements de masse. Troisième élément, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre de thématiques, nationalistes ou patriotiques, sont largement partagées par les sociétés. Voilà. Je me contenterai d'un exemple ô combien fameux, celui des socialistes, et l'attitude des socialistes allemands qui vont voter les crédits de guerre. Donc si vous voulez, de ce point de vue, dans cette course effectivement à la guerre, à la dénonciation de l'ennemi, la barbarisation de l'ennemi, etc., certes les nationalistes ont leur part, mais évidemment ils ne sont pas tout seuls, loin s'en faut, dans un contexte qui effectivement est marqué par le développement des nationalités depuis la Révolution et tout le 19e siècle. Et on peut rappeler aussi le cas de Gustave Hervé. Ah oui, alors là, c'est une figure directeur étonnante. De la guerre sociale qui change le titre de sa revue en guerre tout court. Voilà. Et qui va à la gare de l'Est interviewer les soldats qui partent et leurs familles et qui raconte dans son ouvrage qu'il a entendu une mère lui dire c'est dans ces moments-là qu'on est fier d'avoir des enfants. C'est tout un programme alors qu'il avait été un militant socialiste, antimilitariste, pacifiste, farouche, professeur d'histoire
radier l'éducation nationale parce qu'il avait encouragé ses élèves à planter le drapeau tricolore dans du fumier, etc. Il y a eu des revirements complètement spectaculaires quand on arrive en 1914, et on voit bien que le phénomène dépasse largement le cadre de la seule idéologie nationaliste. Et la sociabilité nationaliste telle que nous l'avons évoqué. Hein, les peuples étaient quand même acquis, il y avait une idéologie dominante qui faisait que les peuples étaient acquis à l'idée que la guerre était quelque chose de possible. On était dans une ambiance où elle faisait partie du paysage historique normal en quelque sorte, et ça s'inscrivait aussi, je crois, dans une espèce d'adhésion à un darwinisme social qui ne disait pas son nom, mais qui pesait lourd en cette fin de 19e, début 20e. Hein. Les peuples sont condamnés à la puissance, hein, et les rapports entre les peuples sont des rapports de force, de puissance, et tout ça, évidemment, ça prépare le terrain. – Je suis d'accord, sans que cela étant les peuples ni les dirigeants d'ailleurs, aient pris du tout la mesure de ce que va être la nouveauté de la guerre. C'est-à-dire que, évidemment, là, entre la guerre imaginée et la réalité, il y a un fossé. – C'est ce que Christopher Clarke appelle les somnambules, et Georges-Henri Soutou les funambules, pour parler des dirigeants européens qui se plongent dans l'affaire de 1914. Merci beaucoup, Olivier Dard, merci à vous pour ces analyses tout à fait intéressantes concernant le nationalisme. Je rappelle le titre de l'ouvrage, « Être nationaliste à l'ère des masses en Europe, 1900-1920 », aux éditions Peter Lang.